Salut à tous, on va faire le test de Steam Blaston sur Xbox One. C'est un jeu qui ressemble à Tetris, vous allez voir, avec Cléopâtre, petit personnage assez sympa. Hop, c'est un jeu gratuit pour le mois de juillet qui plaira à pas mal de monde, je pense, le qui aime bien Tetris et jouer comme ça. Ce sera un bon jeu aussi pour jouer multi, voilà. Bon, il faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre, le jeu est assez sympa, assez rigolo avec le personnage de Cléopâtre. Et en fin de compte, voilà, le but c'est de prendre les mêmes cases, les mêmes carrés de chaque couleur. Alors, il faut aller assez vite et puis bien réfléchir. Vous voyez que là je suis bloqué, j'ai dû faire une erreur quelque part, complètement raté. C'est un bon petit jeu aussi pour ceux qui veulent télécharger, quand ils ont envie de télécharger un jeu, que ça prend du temps, on peut jouer à ça. Hop, je vais pas me tromper pour vous montrer. Ah putain, je suis bloqué. Voilà, là je suis bloqué. Ce qui est bien, c'est qu'on va revenir à la de suite. Essayer de bien réfléchir, pas me faire avoir. Voilà. Et là je suis bloqué encore. Oh putain. Réussi. C'est pas évident, il peut aller assez vite, c'est vraiment pas évident. A deux, ça va, je pense que ça va être sympa. Le score, enfin la vitesse de progression de l'histoire, en fin de compte, tout. Alors le jeu, c'est un peu un casse-tête, voilà, comme il y a marqué, c'est vrai que c'est un bon petit casse-tête. On avance à chaque fois au fur et à mesure. Moi je vous le conseille, c'est pas le jeu de l'année, mais le jeu est gratuit, il est assez sympa, assez jouable dans le sens. Et assez rapide par contre, avec les gâchettes, on peut aller plus vite encore. Ce qui est pas mal, c'est qu'il vous laisse le choix. Vous avez vu que j'ai fait une erreur, il vous remonte comment ça marche, comme vous n'avez pas oublié. Moi je vous le conseille, il est sympa, il est gratuit. Allez, je vous dis à plus, j'espère que ça vous aura plu. Ciao!